Surprise. Deux candidats de cette saison 11 du meilleur pâtissier, toujours diffusé sur M6, ont annoncé être en couple depuis quelque temps déjà. La compétition du meilleur pâtissier continue sur M6. Ce mercredi 16 novembre, les 6 candidats restants ont tout donné pour conserver leur place. Après avoir revisité le succès, puis après avoir survécu à l'épreuve technique de Mercotte, les pâtissiers amateurs ont confectionné leur idole en gâteau. Si certains bustes étaient réalistes, d'autres ont fait mourir de rire les internautes comme celui de Cléo qui ne ressemblait pas vraiment à Marilyn Monroe. À la fin de l'épisode, Manon a, une nouvelle fois, décroché le tablier bleu. Tandis que Sébastien, a pour la deuxième fois, fait ses adieux à ses camarades, mais cette fois-ci, de façon définitive. Et surprise, ce jeudi 17 novembre, Ciné Télé Revue révèle que 2 candidats de cette saison sont aujourd'hui en couple. 2 pâtissiers ont craqué l'un pour l'autre depuis plusieurs semaines, Adelina et Benjamin se montrent très proches sur les réseaux sociaux, sans pour autant mettre de mots sur la nature de leur relation. Auprès de nos confrères belges, les 2 candidats encore dans la compétition officialisent leur relation. Tout a commencé sous la tente, expliquent les amoureux qui ont craqué l'un pour l'autre lors du tournage qui s'est déroulé au printemps dernier, on a gardé le secret assez longtemps. On ne voulait pas précipiter les choses, car le meilleur pâtissier nous a un peu coupé de la vie réelle. On était dans une bulle où tout était beau, tout était rose. On avait donc peur que ce soit une simple amourette. Finalement, les mois passent et le couple qui partage la même passion continue de vivre un rêve éveillé. Les internautes heureux pour les amoureux sur Instagram, alors que des rumeurs circulaient déjà au sujet de leur relation, leurs abonnés ont été nombreux à trouver très mignons les 2 amoureux. Bravo, en plus de faire un beau duo de pâtissiers, vous faites un très beau couple, vous êtes très mignons tous les 2, oh non, trop mignons un couple LMP. Vous allez trop bien ensemble, ensemble vous êtes intouchables, très beau couple, vous êtes trop mignons et tellement doués, quel beau couple, peut-on lire sur les réseaux sociaux sous une photo d'eux en train de pâtisser ensemble. À lire aussi le meilleur pâtissier 2022, quel candidat a été éliminé du concours ce mercredi 16 novembre ?